Hello everyone, bonjour and welcome back. We will continue today to learn new words that will be helpful for everyday use. Let's start. Tout le monde, tout le monde est là. Tout le monde, we don't pronounce the T into. Tout. tout le monde est là. Tout le monde est là. It means everybody is here. Just in everyday use in France, we say tout le monde. So it's more like common to say tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Everybody is here. No. Personne n'est là, personne n'est là, personne n'est ici. We do the link. Personne n'est là, personne n'est ici. It means nobody is there or nobody is here. Uh, just one thing. Personne. It means a person. However, when we say personne n'est là or personne n'est ici, we refer more to say nobody. Tu we don't pronounce the T. Tout va très bien. Tout va très bien. Let's repeat. Tout va très bien. It means everything is going very well. Everything is fine. Everything is okay. Everything is fine. Tout va très bien. Tout va. Très bien rien ne sera fait nothing will be done rien ne sera fait and again we can say also rien ne sera fait rien ne sera fait rien ne sera fait rien ne sera fait, rien ne sera fait. Rien ne sera fait. nothing will be done ouvert it means open jusqu'à means until Let's say it together. La banque est ouverte, we do the link, de 9 heures, we do the link as well, du matin jusqu'à 5 heures du soir. Let's repeat together. La banque est ouverte de 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. The bank is open from 9 in the morning, a.m., until 5 in the evening. La banque est ouverte de 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. Je cuisine. Je fais un gâteau aux pommes. Je fais le ménage, je cuisine, je fais un gâteau aux pommes. It means, what are you doing? I clean, I cook, I am making or I make an apple cake. Let's repeat. Qu'est-ce que tu fais? If someone asks you, qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage, je cuisine, je fais un gâteau aux pommes. And we don't pronounce the X in O. Je fais le ménage, je cuisine, je fais un gâteau aux pommes. Est-ce que, est que tu es prêt pour partir en vacances? Est-ce que tu es, we do the link, est-ce que tu es prêt pour partir en vacances? Let's repeat together. Est-ce que, es, est que tu es, we do the link, est-ce que tu es prêt pour partir en vacances? Are you ready to go on holidays? Est-ce que tu es prêt pour partir en vacances? Peut-être, it means maybe, perhaps. Peut-être, ça peut être, with the link, ça peut être prêt maintenant. Peut-être, ça peut être prêt maintenant. It means maybe, perhaps, for peut-être. But when you say ça peut être, it means it can be. Ça peut être. So see the difference. Peut-être, it is maybe or perhaps. And when we say ça peut être, it means it can be. Ready means uh, prêt. And maintenant, we don't pronounce the I in maintenant. It means now. Let's do it again. Peut-être, ça peut être prêt maintenant. Est-ce que tu sais? Do you know? Est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu sais où c'est? Do you know where it is it? Est-ce que tu sais où c'est? Or sais-tu où se trouve mon téléphone? Est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu sais où c'est? Sais-tu? Où se trouve mon téléphone So, est-ce que tu sais où c'est It means, do you know where is it And, sais-tu, or tu sais où se trouve You can, you can uh, say both. Sais-tu où se trouve mon téléphone Or, tu sais où se trouve mon téléphone It means, do you know where my phone is Peux-tu It means, can you Peux-tu Peux-tu me dire où c'est Peux-tu me dire où c'est? Car, dire... Car je ne peux pas le trouver. Peux-tu me dire? Let's repeat again. Peux-tu me dire où c'est? Car je ne peux pas le trouver. Peux-tu me dire? Peux-tu me dire où c'est? Car je ne peux pas le trouver. Can you tell me? Where it is because I can't find it. Peux-tu me dire où c'est car je ne peux pas le trouver. Je vais it means I'm going, I go. J'ai besoin it means I need. Je vais Je vais au magasin de sport demain. Je vais au magasin de sport demain. J'ai besoin d'un maillot de bain pour nager. J'ai besoin d'un maillot de bain pour nager. Let's repeat. It. Je vais au magasin de sport demain. J'ai besoin d'un maillot de bain pour nager. I'm going or I go to the sports store or shop tomorrow. I need a swimsuit to swim. So, you can see, j'ai besoin means I need. Je vais au magasin de sport demain. J'ai besoin d'un maillot de bain pour nager. Commence, it means start. Le film, le film commence bientôt. Ça se termine ça se termine dans deux heures. and we do the link. let's repeat it one more time. le film commence bientôt. ça se termine dans deux heures. it means the movie starts soon. it ends in two hours. le film commence bientôt. Ça se termine, or in a French way, we can say, ça se termine, ça se termine, or ça se termine dans deux heures. And don't forget to do the link, dans deux heures, with the Z sound, dans deux heures. As-tu, or tu as, as-tu bien dormi? J'ai mal dormi. As-tu bien dormi? As-tu bien dormi? J'ai mal dormi. J'ai dormi, j'ai dormi à peine cinq heures. And we do the link. Let's repeat it one more time. As-tu bien dormi? J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. J'ai dormi. J'ai dormi à peine cinq heures. À peine cinq heures. It means, did you sleep well? I did not sleep well. Or you can say, I slept bad. I slept barely or only five hours. As-tu bien dormi? J'ai mal dormi. J'ai dormi à peine cinq heures. And we do the link. Okay, this comes to the end of this video. Thank you so much again for watching. Don't forget to subscribe and to watch my other videos. See you soon in our next video. And merci, merci. Gros, gros bisous à tous.